Aucun membre de ma famille n'a été sapeur-pompier avant moi. Je ne suis donc pas née dedans. Je pense que mon envie de m'engager est venue en regardant les sapeurs-pompiers volontaires de Jutlenheim s'entraîner. La caserne est à l'époque au bout de ma rue. Je me suis engagée à 16 ans chez les sapeurs-pompiers de Jutlenheim. Je suis maintenant à Massagne. Je m'en souviens très bien, c'était un important feu de toiture. J'étais équipier et avec mon chef, on a dû faire la reconnaissance dans l'habitation et enrayer la propagation. C'était impressionnant pour moi parce qu'une fois à l'intérieur, le bruit était assourdissant, on ne voyait pas grand-chose et j'étais bien contente d'avoir mon binôme avec moi. J'avais totalement confiance en lui et depuis cette intervention, je sais que la confiance chez les sapeurs-pompiers est primordiale. Une femme communique différemment. Elle gère également ses émotions de façon différente, ce qui lui permet d'avoir une relation aux autres également différente. En ce sens, je pense que les hommes et les femmes sur intervention se complètent plutôt bien. J'ai voulu être animatrice GSP déjà parce que j'aime transmettre. J'ai envie de partager ma passion et puis parce que j'ai moi-même été jeune sapeur-pompier, donc j'avais envie de faire vivre à des jeunes ce que moi-même j'ai vécu étant plus jeune.